un projet de modification du cahier des charges de l'appellation Languedoc pour introduire des mesures agroenvironnementales est né d'un certain nombre de pratiques qui existent sur notre territoire depuis plus de 20 ans. Il s'agit aujourd'hui de valoriser au travers de nos appellations et de rendre plus lisible, je dirais aussi, aux consommateurs. Alors aujourd'hui, déjà, il y a à l'intérieur de l'appellation plus d'une quinzaine de dénominations qui ont fait ou qui sont en train de faire bouger leur cahier des charges et faire des propositions aux communautés nationales d'introduction de ces modifications au travers de mesures agro-environnementales, voilà, qui garantissent sur un grand territoire des qualités, des pratiques de qualité. Le terroir est quelque chose d'emblématique, hein, d'une notion d'appellation d'origine contrôlée. Ça reste un élément sur lequel les vignerons sont très attachés et on ne souhaite pas qu'il y ait des éléments de soupçon sur la qualité, sur nos usages qui pourraient modifier ou abîmer cette qualité de terroir, de sol, qui fait un des éléments forts de nos appellations. Alors l'enjeu qu'il y a au travers de ces mesures agro-environnementales, c'est la protection de l'eau et la qualité de l'eau. Comment préserver la ressource en eau? C'est diminuer le désherbage, voire pour certains le supprimer complètement. Améliorer la qualité des tournières au travers d'un enherbement permanent qui assure à la fois une filtration, une biodiversité essentielle. Un cahier des charges, ça se modifie par la volonté des vignerons et que la volonté des vignerons. Donc, et c'est les résultats déjà de pratiques courantes et qui simplement, logiquement, s'introduisent à ce moment-là dans un cahier des charges. C'est même la notion même d'appellation d'origine contrôlée. Hein. On écrit que ce qu'on fait de façon à le rendre à la fois lisible pour le consommateur et puis, je dirais, à faire en sorte que l'ensemble de la communauté vigneronne les pratique. L'efficacité, je dirais, de ces mesures-là n'a de sens que si elles sont prises en compte par le plus grand nombre. Hein. Un grand nombre de vignerons sur donc des surfaces importantes qui ont un effet significatif et un impact important sur la qualité des eaux. Donc la mobilisation des vignerons est un enjeu pour notre syndicat d'appellation.